vraiment des sorcières sur les réseaux sociaux. Vous êtes vraiment des sorcières sur les réseaux sociaux et des vrais sorciers sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez l'habillement que la fille a porté, supposons que c'est 2 euros, c'est pas le prix. Hein. Il y a des gens qui s'habillent avec les grands couturiers. Upstanding. Mais quand ils s'habillent là, c'est pas joli. Tu achètes l'habit là pour le Mac ou bien tu achètes ça pour que les gens ils apprécient. Moi, en DS Collection, même quand moi je m'ai acheté habit de 2 euros, quand je porte là, je veux que les gens disent que c'est joli. Parce que l'habillement de la fille, je sais pas si ça a coûté à 15 000. Oh non. C'est combien? 15. Oh non. Combien ça? 150 000 francs CFA? Tu vaux même votre maison de studio où vous vivez. Hein? Votre vie est pourrie. C'est vous, vous êtes venu vous asseoir sur les réseaux sociaux. Je dis, laissez la montre pour nous. Quand vous venez maintenant, vous venez vous braquer sur la montre là. Nous, là, on fait quoi maintenant? Les gens peuvent être sorciers jusqu'à ce point là. Ma chérie, oh ben c'est mon frère, attends. C'est ma chérie. Ma chérie, toi tu es en Afrique là-bas. Moi je suis en Europe ici. Toi tu es dans CFA. Moi je suis dans Euro. Toi et moi là on est même chose. Si c'est pas du franc CFA là, ça veut dire que je ne suis pas dans franc CFA. Je rêve même pas dans franc CFA. C'est quand je suis en Côte d'Ivoire là, je rentre, je suis dans franc CFA. Hein? Quelqu'un qui est en Europe ici là, toi tu veux comparer que non, DS Collection, tu ne dis pas le nom de franc CFA là bien. Toi et moi, on a le même problème. Toi tu es dans Euro là-bas, et toi tu es dans franc CFA, moi je suis dans Euro. Hein? Tu penses que moi, elle est ici là, matin bonheur, elle me réveille, elle dit, oh franc CFA, hey what, on est dans quel monde là? Moi je suis dans Euro, je dois parler de Euro. Moi je ne suis pas dans franc CFA. Franc CFA appartient aux gens qui ont des francs CFA. France CFA appartient à des gens qui sont dans le monde de France CFA. Moi, je suis dans Euro. Hein? Je suis dans Euro. Je compte Euro. Là, tu m'amènes encore, tu me fais rêver encore à mon passé. Là, tu sais pas que France CFA, là, c'est mon passé. Pardon, faut pas m'amener. Je dis pas que ceux qui sont dans France CFA, là, ils sont dans la misère. Moi, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça et je ne vais jamais dire ça. Je te dis, le moment que je suis en Europe ici, là, je ne dois plus parler de franc CFA. What? Hein? Pardon, moi, je ne lis plus les commentaires même. Excusez-moi. Donc, je disais que non, la fille, enfin, Emma, elle a acheté son habit qu'elle a porté là. Elle a acheté ça, je ne sais pas, elle a acheté ça combien. Il y a des sorciers de Facebook là. Parce que la fille, elle avait dit que non, habit qu'elle elle a porté là. Vous parlez sur mon habit qui est porté là. Ça là, vous n'avez pas trouvé ça dans le marché de Coco Vico. Vous n'avez pas trouvé ça dans le marché de Coco Vico. Vous avez fait votre sorcellerie là jusqu'à... Vous êtes parti faire sortir habit là. Dans le cimetière. Hein? Non, il voit rien même. Non, je vous respecte. Vous êtes parti faire sortir habit là dans le cimetière. Vous êtes venu montrer ça à la fille là. Quel habit que tu as porté là? Voici ça. Donc la mode vous appartient à vous. Laissez les gens parler de la mode. Est-ce que quand moi j'ai fait mon direct ici là, moi j'ai parlé des prix? Moi j'ai pas parlé des prix. Moi si tu veux là, faut porter ce que tu veux. Si tu veux là, faut porter Docafré. Yougou yougou Docafré là, faut porter. C'est ta façon, c'est la façon que tu vas traiter ton habit là. Dans la manière que tu vas porter là, c'est comme ça qu'on va apprécier. Dites-moi, les gens qui sont partis dans Prime, dites-moi qui avait porté haute couture. Dites-moi le nom de une personne. Je vous jure, dites-moi le nom de une personne. Elle vous fait sortir l'habit là, où elle a acheté là. Ou le fournisseur même là, où ça vient là, mais il est parti prendre l'habit là et puis il a déposé ça devant vous ici. Comme c'est l'habit de la fille là, vous pouvez parler de ça sur les réseaux sociaux.
celle que vous pouvez parler si elle que non, elle a porté habit de 150 000 francs CFA. 150 000 francs CFA, vous êtes sûr que c'est elle-même là. Si elle vous donne habit de 150 000 francs CFA là. Elle au moins, là, elle a habit de 150 000 francs. Vous-même là, votre docafleg, je parle de cette détracteur là. En fait, pourquoi ça me fait mal? Parce que la mode appartient à nous. Ça appartient pas à vous. Même moi-même là, j'ai mes grands frères. Bon, pas même les grands frères couturiers qui sont en Côte d'Ivoire là, partout en Afrique là. Ceux-là, moi je les respecte parce que moi là, dans la mode là, moi je connais rien d'abord. Je connais même pas un bikini d'abord. Quand moi je suis devant ces gens-là, les grands couturiers de la Côte d'Ivoire là, ou bien de l'Afrique là, quand je suis devant eux là, moi je ferme ma bouche. Moi, je suis rien devant eux. Mais quand vous dites que non, elle a acheté son habit dans Yugu Yugu Dokafré là, est-ce que vous trouvez que non, c'est gentil? Non, il y a des gens qui ne sont pas éduqués sur Facebook là. Vous n'êtes pas éduqués. Hein? Malgré que mon DS, j'ai fait tous mes conneries là, mais j'ai reçu une bonne éducation. Vous n'êtes pas éduqués. Hein? Franchement dit, vous n'êtes pas éduqués. Vous la comparez avec n'importe... En fait, c'est nous, on doit parler de son habit. Je sais qu'il y a des professionnels, il y a des professionnels de la mode en Côte d'Ivoire. Eux, là, si eux, ils n'ont pas parlé de l'habit de Emma, vous, là, fermez votre bouche. Ça me fait mal. Vous partez lui comparer avec Yuru Yuru Dokafré, vous partez lui comparer avec Feu de Manioc, vous partez vous lui comparer avec je ne sais pas quoi. Mais c'est méchant. C'est méchant. Elle est obligée de se défendre. Tous ces détracteurs-là, eux aussi, ils prennent ça pour mettre ça sur Snap. L'habit qu'elle a porté là, c'était joli. L'habit est très joli. Même moi-même là, je n'ai pas commandé ça en Côte d'Ivoire. Quand je vais voyager là, il y a les commander pour moi là-bas. L'habit qu'elle a porté là, c'était très joli à voir. C'était très joli. Moins cher dans le marché, mais c'était très joli. Elle a su porter son habit. Mais tout ce que moi j'ai dit, j'ai dit, ah, ma biche, ça là, ce que tu as porté là, ton truc là, c'était pas le jour là que tu devrais porter ça. Tu devrais porter une autre chose, tu traînes parce que tu es une princesse. Parce que tu es une princesse. Hein? Tu devrais porter autre chose. Vous prenez ça pour faire ça à faire. Vous dites que non, elle a porté ce qu'elle a porté là. C'est Yugu Yugu Dokafré. Ce qu'elle a porté là, c'est bande de manioc. Ce qu'elle a porté là, c'est comme ça que c'est comme ça. Vous-même là, ce que vous portez là, même pour aller en boîte là, ou bien pour aller dans les cérémonies là, elle coûte combien? Parce que ce que vous portez là, c'est beaucoup là, c'est quoi là, c'est le nom là, c'est quoi là? Où on achète les habits moins chers là, dites-moi le nom. Où on achète les habits moins chers là, de 20 euros, de 40 euros, de 3 euros là, dites-moi le nom s'il vous plaît. Dites-moi le nom. S'il vous plaît. Vous là, il y a plein même qui sont parmi vous là, vous tu es là, dénigrer la fille là, dénigrer son habit. Si vous voulez la parler de son comportement, je ne vais jamais venir vous répondre ici. Mais ce que tu as bâti à César, laissez ça dans la main de César. La mode nous appartient, ça ne vous appartient pas. Ce n'est pas vous, vous êtes parti déterrer. Ah, merci beaucoup, ma vie. Ali, espèce là. Espèce, ou bien quoi là? Ou vous commandez votre 2 euros là? Je ne dis pas ce que tu commandes là, bizarre. Je dis vous commandez votre 2 euros là. Hein? Restez sur ça. Vous partez faire sortir tous, parler de son comportement. Moi, je m'en fous. Quand vous parlez même de son comportement, nous, on est ici, là. On est ici, on rigole un peu. Parce que dans la manière qu'eux, ils rigolent pour nous, nous aussi, on rigole pour eux. Parce que je suis vérité. Hein. Parce que vous nous voyez comme ça, nous, on se moque. Nous, mais entre nous, là, mais on se moque entre nous. Mais quand vous parlez de son habit, là, il y a quoi? Vous voulez prendre notre place ou bien quoi? La fille qui fait sur la mode, là, sur la RTI, là, elle s'appelle comment? Alissa, quoi, là, même, là? Alissa, écrivez son nom, s'il vous plaît. La fille qui fait la mode, là, elle fait fashion police, ou je crois, police, là. Elle n'a pas parlé de ça. C'est vous courez, pour aller faire sortir tous les... Mais bientôt, là,
Même le comment on appelle, la petite culotte qu'elle avait portée là. Pourquoi vous ne faites pas sortir ça aussi? Mais vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Vous-même, vous savez que moi, je ne défends jamais Emma. Vous-même, vous savez ça? Mais si aujourd'hui, je suis venue, je suis là défendre son habit, l'habit qu'elle a porté là. C'est pas vous, c'est pas vous. Vous avez fait parler de la mode à nos places. Mais ça m'énerve. C'est nous, on doit aller chercher. On doit aller chercher tout ce qu'elle a porté là. On doit aller chercher, puis on vient mettre ça devant vous. Pas. C'est pas une histoire de c'est pas une histoire habit que les gens portent. C'est pas une histoire de chair. On voit les gars, tu portes les chairs ici, mais c'est moche. On voit les filles, tu portes. Mais encore, dis voilà, dites-moi le nom d'une personne, tu portes. Grand couturier, s'il vous plaît, dites-moi le nom d'une personne que vous avez déjà vu couturer, le grand couturier. Dites-moi le nom d'une personne. Tu peux mettre au moins ça. Parce que grand couturier, c'est du boucan. Hein? Grand couturier, tu peux mettre au moins ça. Si tu es habillé propre, là, tu peux mettre au moins ça 10 000 euros ou bien 20 000 euros. Plus. Dites-moi le nom d'une personne en Côte d'Ivoire qui a porté. Grand couturier. Hein? Vous ne dites pas pour eux, hein, parce que ça vous arrange. Mais quand c'est pour aller déterrer le truc de la fille, là, pour venir dire ça, là, je vous dis ça, là, c'est pas votre travail. Vous avez dit que non, faut pas qu'elle fait clash. Moi, il fait plus clash. Mais ce qui tient sur la mode, là, laissez ça à César. Ça m'appartient. Laissez ça à César. Ça nous appartient. Moi, je ne connais rien dans la mode. Hein. Moi-même, là, quand je m'habille, là, je fais des apps suivants. Mais quand j'habille une personne, là, je fais ça avec tout mon corps. Laissez ça à César. Hein? Que non, c'est quoi la même? Qu'elle a acheté ça à 150 000 francs CFA. Que quoi encore là? Qu'elle porte bon prix. Elle a dit que non. Elle avait l'argent, que ses parents avaient l'argent, déjà elle n'a rien. Donc c'est ce qui tu vous fait mal. Parce que la fille a dit que mes parents sont, ça va, sont bien assises. Qu'elle n'a jamais fait la prostitution. Donc vu que vous avez fait la prostitution dans le passé, donc c'est vous que ça vous a fait mal enfin. Parce que ce qu'elle a dit là, elle n'a pas dit mal. Qu'elle ment, elle dit la vérité. Nous, on s'en fout de ça. Mais nous, on dit, ce qu'il s'agit de la mode là, taisez-vous. Ce qui t'appartient à César, laissez ça à César. Ça m'appartient, ça nous appartient. Il y a les grands frères qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont dans la mode. Il y a les grandes sœurs qui sont dans la mode. Il y a des gens, waouh, qui sont. Parce que dans la mode, là, il faut respecter les gens en fait. Tu vas pas venir, tu vas dire, oh, c'est moi DS Collection, je connais tout. Non, je connais rien. Mais quand j'habille, là, les gens, ils apprécient. Même moi-même, là, je ne sais pas m'habiller moi-même. Mais quand je m'habille, là, vous trouvez ça, c'est joli. Ce qu'elle a porté, là, c'est vrai, c'est pour aller en boîte avec ça. Si elle partait en boîte avec ça, waouh, la meuf, elle était bien habillée. Peu importe le prix, on s'en fout de ça. Si elle partait dans, voilà, en boîte, ça, c'est pour aller en boîte. Mais aller dans grande soirée comme cela, où tous les projecteurs sont sur toi, Emma, faut plus jamais faire ça. Moi, j'aime pas. C'est pas toi. C'est pas ta beauté qui est ça. Mais les gens qui sont là, déterrer tout ton passé là pour mettre sur l'habit là, vous êtes des bandes de sorciers. À cause de le jour que je suis fâché là, je suis là, vous dites des bandes là. Vous êtes fâchés. Hein? Vous êtes fâchés. Mais c'est pas bien de dénigrer une personne jusqu'à ce point-là. Si c'est pas la sorcellerie là, tu fais ça pourquoi? C'est pas bien. Elle est obligée de partager ça à chaque fois sur sa page. Elle est obligée parce que ça fait mal. Nous là, les gens qui sont connus là, nous là, quand tu vois que nous on partage ça sur nos pages là, parce que on n'apprécie pas en fait. Donc c'est mieux que non, elle met ça sur sa page, que les gens viennent l'insulter là. Là c'est bon, ça passe. Vous êtes des bandes de sorciers sur Facebook hein. Pas tout ça, pas mes DS Love, que je respecte plus que tout. Pas mes DS Love, vous êtes des bandes de sorciers. Hein. Même moi, DS, mais il y a beaucoup, tu veux que non, il y a beaucoup, tu veux le médecin. Mais je ne vais jamais donner, je vous dis, hein, regardez-moi, je ne vais jamais donner l'occasion à personne de me descendre sur Facebook. Parce que moi-même, là, je me fais respecter maintenant.
Les gens, tu ne sais pas respecter. Voilà, ça c'est autre chose. Je ne vais jamais donner l'occasion. Quelqu'un, même, tu vas dire ta. Non, réveillez ma maman, je ne vais jamais donner l'occasion. Je vous dis, aujourd'hui, c'est quand? Regardez-moi bien, je ne vais jamais donner l'occasion à une personne. Parce que moi-même, là, je ne vais jamais le faire. Vous êtes trop des bandes de sorciers. Emma, ce que tu as porté là, c'est joli. Le jour là, là-bas, là, moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui a porté grand couturier. Même la personne, je vais prendre si Miss quoi là même, Miss 92, Miss 80, je ne sais pas quoi. Je prends ça si les Miss, les belles femmes, descendent encore si les people, descendent encore si les célébrités. Il n'y a pas quelqu'un qui a porté quelque chose de waouh. Moi en tout cas, je n'ai pas vu. Peut-être vous avez vu, vous ne m'avez pas envoyé. Ce que la fille a apporté là, ça coûte moins cher, mais c'est joli. Toi, tu as montré, tu as mis ton numéro de téléphone pour qu'on t'appelle là. Tu veux faire, je te comprends, parce que tu veux vendre enfin. Tu veux vendre. Peut-être la chose là, tu vendais ça à 15 000 francs. C'est fois, tu allais, comme elle est la portée là, donc tu vas faire ça à 15 000 francs. Comment? Dites-moi le prix là, en franc CFA là, s'il vous plaît. Je connais, moi le franc CFA, je ne suis pas trop franc CFA moi. Mais c'est ça, en franc CFA. Je ne suis pas allergique des francs CFA, mais quand je suis ici, je suis en euros. Quand je suis dans mon pays, je suis en France CFA. Donc, Emma, tu étais bien habillée. Tu étais classe, tu étais chic. Mais ce que tu avais porté là, c'était juste pour la boîte. Mais les gens, tu sont à déterrer tous les... Comment on appelle ça? Tous les cadavres là, pour venir mettre ça sur les réseaux sociaux là. Ceux-là, ce sont des sorciers. Les sorciers de Facebook là. Ils ne veulent pas que tu reçues. Ils ne veulent pas que quand tu grossis. Ils veulent tout le temps que quand tu fais miskin. Ils veulent tout le temps comme ça. Ils veulent tout le temps que quand tu... Et puis, ils sont là pour t'allumer. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vivent sur Facebook? Vous savez qu'il y a des gens qui vivent sur les réseaux sociaux? Hein? C'est leur vie. Hein? Ils sont allés à l'école pour ça. Leur vie, là, c'est ça. Là. Quand tu t'en mets ça sur les sites, là, comme, je sais pas, dans les sites, dans les autres pages, là, ils sont là seulement pour t'allumer. Même moi, DS, même là. Moyen là, quand j'ai, pourquoi moi, j'aime plus publier sur Fef Magazine? Parce que vous êtes impoli sur Fef Magazine. Hein? Vous pouvez donner crise cardiaque aux gens sur Fef Magazine. C'est pour ça que moi, DS, là, regardez-moi bien. Moi, je ne publie pas sur Fef Magazine. Même si on me propose, je dis non, faut pas mettre ça là-bas. Faut pas mettre ça là-bas. Parce que s'ils vont pas parler de mon français, ils vont dire, est-ce que c'est elle qui a écrit? Est-ce que c'est ta... Avale très vite. Hein? Est-ce que c'est elle qui a écrit? Est-ce que c'est elle qui a écrit? Est-ce que c'est elle? Donc, moi je n'ai pas écrit. La personne qui a créé Facebook là, il allait à l'école. Lui, il a allé à l'école. Facebook là, on vous a dit que c'est un diplôme qu'on doit avoir pour entrer si les réseaux sociaux. Normalement, Facebook là, c'est pour nous les gens qui ne sont pas allés à l'école. Si on veut voir là, Facebook là, c'est pour nous. Les gens qui ne sont pas allés à l'école. Mais vous êtes venus nous rejoindre encore ici. Pour venir encore tout gâter le mouvement. Hein? Franchement dit. Non, c'est ce qu'elle a porté, c'est bande de manioc. Toi, tu es sûr que ce qu'elle a porté là, toi, tu peux porter ça sans garçon. Toi, ton salaire là, bébé, ce qu'elle a porté là. Toi, tu me regardes là, son maudit, tu es là, me regarder là. Toi, tu poses, toi, dans ton cœur là, tu peux payer ça. Il ne faut pas demander à garçon. Hein, parce que vous attendez que iPhone 12 va sortir, maintenant tout le monde va attraper son petit gars. Il faut payer iPhone 12. Vous attendez que ça. Non, franchement, dis. Non, ça fait mal à quoi. Quand je vois les commentaires sur elle, sur la mode appartient à César. Ça nous appartient à nous. Hein? Moi, je ne connais rien dedans, mais les corottes qui sont, les trucs qui sont là. Eux, là, ils n'ont pas parlé les mots. Pourquoi vous parlez dedans? Hein? Vous êtes là, mais dénigrer la fille même. Ah, elle est là, c'est bluffé comme ça. Elle dit, ah, elle n'a rien. Elle est là, c'est tata. Elle dit, ah, elle n'a rien. Toi, tu as l'argent. Elle, au moins, c'est dans la maison. Toi, tu